La pute. Ah oui, alors. Fini tout ça. Moi, élevée par les curés, me retrouver le soir sur le port. Et ma regrettée maman, qui rêvait de me voir chanter à la télévision. Oh. La pauvreté est une lèpre. Si Pépinori Antonia ratiboise la princesse, je veux qu'il m'achète un petit commerce de souvenirs pour touristes. Tu crois qu'ils le feront? Papa et maman nous aiment. Ils le feront. Et toi, Angelo, qu'est-ce que tu vas leur demander? Tu le sais bien, tant que Longa, une rotule pour mon genou. Mon petit, tu es tombé dans un escalier à l'âge de 6 ans et tu t'es cassé le genou. C'est fait, c'est fait. Tous les médecins ont dit... Les docteurs d'ici, ce n'est pauvre. Ceux qui s'en foutent. Mais à Rome, il y a des grands professeurs qui réparent les os, paraît-il. Question d'argent. 4 ans qu'elle loue le château, 4 ans qu'elle joue avec Pépino et Antonia, et 4 ans qu'elle gagne. C'en est trop. Ça devient indécent, immoral. Cette année, il faut lui foutre en l'air sa baraka. Et que Dieu nous protège. Mais si bon Dieu veut un clocher neuf, qu'il fasse gagner papa et maman, c'est simple. Ne jure pas, mécréant. Et que le bon Dieu me fasse passer à la télévision pour chanter. Ça te va bien de solliciter le bon Dieu, toi Yolanda, qui t'es pas confessé depuis un mois. Hé, je vous raconte toujours pareil. Alors, je fais la pute et le bon Dieu le sait une fois pour toutes. Pas la peine de le répéter. Et si ça ne lui convient pas au bon Dieu, qu'il m'envoie un mari riche. Et moi, un genou neuf. Mais c'est pas fini vos demandes. Prenez le bon Dieu pour le Père Noël. As, Dieu c'est l'as, Dieu c'est le plus fort. Dieu c'est un malin Dieu, il est dans tous les camps, comme l'as, dans toutes les couleurs. Un as pour les pauvres, un as pour les riches, un as pour les combinards, un as pour... Mais la princesse, je lui dévorerai son as et son compte en banque. Voilà, Pépino, laissez-moi lui annoncer la nouvelle. Mais pour où lâcher? Nom de Dieu! Oh, et un phare de cassé! Oh, misère de nous! Oh, vieille guimbarde pourrie! Désastre! Oh, fatalité! Ah. Bonsoir, monsieur le curé! Ah. Ah. Que je me lave les mains! Vous savez ce qu'il dit? Depuis longtemps, je me fais vieux, je suis malade, je voudrais passer mon commerce! Oh. Ça te ferait une situation stable et fructueuse! Je te donne tout! Ah, pour 40 millions! Donnez! Ah, une chance, Julie! Ah, seulement voilà, moi, j'ai pas 40 millions! Grande nouvelle! Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Avale ton beignet, sinon. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ces 40 millions, ils sont comme dans ta poche! Comment ça? La princesse est arrivée! Oh, nom de Dieu, désolé! Oh, pardon, monsieur le curé! Dieu est avec vous! Prions, Dieu vous aidera! Oui, monsieur curé, ça marche plus. Hein. Ça fait des siècles que Dieu prenait la lune aux pauvres. Hein. Non, avant-guerre, Mussolini avait pris le relais. On n'a pas eu la lune. Hein. Depuis cette partie communiste, on n'a toujours pas eu la lune. Alors que plus personne ne s'occupe plus des pauvres. Hein. C'est notre talent de joueur, à Antonia et à moi, qui défoncera la princesse, qui la ruinera. Oh, Dieu. Et alors moi, à tous, j'achèterai la lune. Et je ferai votre cœur. Explique-toi. Bonne nouvelle, il y a les jours, elle est tombée, pan, elle se foule la cheville, impossible de marcher, ça lui fait un handicap. C'est quoi un handicap? C'est une enflure. Mais comment elle se déplace? Devinez. Avec une canne? Non. Deux cannes? Non, pire. Trois cannes? Non. Je vous laisse la surprise, je me sauve. Et préparez-vous, elle vous attend pour 10 heures. Il est là. Pour une loi de combat, le costume du père Salestro, il faut qu'il me le prête. Je vais la lui emprunter pour toi. Ouais, n'oubliez pas la cravate à poids, que j'ai pas l'air dominable. J'y cours. Bah, avec une robe voyante comme ça, je vais ressembler à une putain. Oh. Pardonne-moi, je n'ai pas voulu faire de peine, Yolanda. C'est oublié. Bon, et bien dans ce cas, prends-moi tes chaussures. Oh non. Si.
milliard de fois moins. Alors donne-lui tes chaussures. Bien sûr. Oh. Ça va. C'est quoi un transplanté? C'est quelqu'un qu'on a planté, mais à l'envers. D'ailleurs, pour vous secourir, je vous ai apporté une médaille. La médaille de Sainte-Clara, don d'une paroissienne. À moi, pour moi la médaille, je suis le chef de famille. Et voilà. On y va. Tu vois, Angelo, c'est parce que ta maman et moi, nous nous aimons depuis 17 ans que nous sommes les plus forts. Notre amour, c'est une entente merveilleuse. Quand ta maman me fait ça, c'est qu'elle a l'as de cœur. Et quand je lui fais ça, c'est que j'ai le 10 de trèfle, etc. Tu vois, le grand amour, c'est ce qu'on prend pour des tout petits signes. Pas vrai, Antonia? C'est merveilleux, Pino. Et maintenant, allons ruiner la princesse Baga. Ça représente quoi? C'est...